Et salut YouTube, tout de suite, Ascred 65. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la suite. Tout de suite. Maintenant. Allons chercher Barbe Noire. La grand voile au vent. Alors, j'ai changé 2-3 petites choses. Par rapport à qui pourrait se renvoyer. Des Espagnols qui s'attaquent aux Espagnols? France? Donc ouais, j'ai fait quelques petits ajustements nuls avec mon micro, ce qui fait que probablement la qualité est différente des streams précédents. Avec un peu de chance, rien de trop transcendant et ça ne se verra pas. Mais j'ai un doute. Mais j'ai un doute. Non, il va nous faire chier lui, vraiment? Vraiment. Voilà, sous le pas. Prêt à faire feu, capitaine! Non, mais c'est bon, il a compris. Voilà. Il nous suit de loin, mais c'est tout. Du tout une menace. Alors, j'ai vraiment peur qu'on entende vraiment tous mes bruits de manette. Petit test. Il crevait. On entend tout. Après, tant mieux parce que j'ai remarqué que de temps en temps, mon micro, enfin du moins tous les paramètres que j'avais mis, coupaient mon micro. Et donc des fois je parlais et il n'y avait rien. Pas sans combattre. C'est lui? C'est le Conan Revenge? Mettez le cap au nord, les gars. On peut rechercher ce bon vieux. Voilà. Pas eu la phrase. La fin. Tu nous as lâchement abandonnés, Satch. Il est mieux demeurer ici, est-ce qu'il dit. Qu'il crève. Et que tous ceux qui suivront ce chien galeux dans l'oubli finissent pendus. Je maudis cette pourriture. Je sais que t'es venu me ramener au bercail, Kenway. Ta fidélité t'honore. Mais après ce qui s'est passé à Nassau, je sens que je suis fini. Je partage pas ton avis, Ed. Mais je te reprocherai pas de voir les choses en face. Tu es toujours à la recherche de ce sage? Ouais. Il y a un mois, en faisant une prise, j'ai appris qu'un homme du nom de Roberts travaillait sur un navire négrier. Le Princess. Tu pourrais chercher par là. Le Princess. Merci, Sage. Nom d'un chien, tu vas pas rester planté là comme un hareng. C'est ma retraite qu'on célèbre. Débouche donc, mon petit déjeuner. Garde-nous quelques bouteilles. Ah, c'est vrai que je suis habillé en mode baleinier parce que j'ai fait quelques petites choses hors stream. J'ai un peu farmé. Non mais t'inquiète. Moi je l'ai redressé. Prends de la place. On parle, on parle. Venez, on parle. Pourquoi vous voulez pas parler? Et là ils veulent bien. Ok, on repère. Et tout Youn.
je parle. Yes. Quoi? On te voit bien. Oui, il veut parler. C'est bien qu'on puisse faire des groupes de deux. Le nombre impressionnant de deux. Oh, il court. Levez le gredin. Hello, les gars. Lieutenant. Vous êtes là? Quoi? Restez là. Tirez sur tout ce qui bouge. Ah non, mais non. Il y avait un déserteur parmi eux et il s'est soumis de ma trône. J'ai tranché le gosier avant qu'il ait pu dire un mot. Oh, c'était chaud. Quelqu'un t'a vu? Je crois pas. Je pense que Kenway soupçonne quelque chose. Y a pas grand chose qui lui échappe. Qu'est-ce que tu sais sur la plage? Une belle assemblée de soudards. Trop sous pour tenir debout. Ah, l'autre il voit rien? Ah non, c'est bon, il attendait. Parle-moi un peu d'Edward Teach. Quel genre d'homme est-il? C'est Satch, monsieur. Oui, c'est Satch. C'est sinon qu'il répond. Mais il est complètement fou. Y a pas plus dément que lui. Au diable ses inepties, sois précis. Oui, monsieur. Satch aime la boisson, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il prend un rum flip, il rajoute une bonne dose de poudre à canon sur le dessus. Ai-je bien entendu? Il boit de la poudre. Non! Mais attends, je suis censé passer par où si je voulais encore les entendre? Qu'est-ce qu'il dit? Fais pas chier, tête de nœud. Il y avait un déserteur parmi eux et il s'est souvenu de ma trogne. Je lui ai tranché le gosier avant qu'il ait pu dire un mot. Sympa. T'as vu? Je crois pas. Je pense que Kenway soupçonne quelque chose. Y'a pas grand chose qui lui échappe. Qu'est-ce que tu fais sur la plage? Une belle assemblée de soudards. Oh, soupçonne. Voilà qui. D'accord, c'est par là. Parle-moi un peu de Bartic. Quel genre d'homme est-il? C'est Satch, monsieur. Du moins, c'est à ce nom qu'il répond. Mais il est complètement fou. Y'a pas plus dément que lui. Regarde ses inepties, sois précis. Oui, monsieur. Satch aime la boisson, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il prend un rum flip, il rajoute une bonne dose de poudre à canon sur le dessus. Ai-je bien entendu? Il boit de la poudre à canon? Oui, sir. Pour la galerie. Vous savez ce qu'il a fait la semaine dernière? Il a rassemblé une vingtaine de marins de son équipage et il nous il a tous mis tout nu. Pendant qu'il brûlait du soufre et d'autres minéraux écœurants. On est resté assis là comme dans l'une des fosses de l'enfer. Grand Dieu! Pourquoi a-t-il fait ça? Il aime mettre son équipage à l'épreuve. Voir à quel point ces hommes sont coriaces. Mais personne n'est aussi coriace que lui. Ouais, il abuse un peu quand même. J'ai bien cru y laisser la vie, misérable sauvage. Ne craignez rien, soldat. Nous allons en finir avec eux. Allez, c'est le moment. Vite, envoyez le signal. Et souvenez-vous à jamais de ce jour. Je peux le tuer ou pas? Par l'enfer. Ah. Ah merde. Ah oui, c'est de la trahison. Là, mais je suis en train de mourir, je meurs. Ah, mais c'est cher pour rien. Lui, il connaît avec le cul. Bon, ça sert à rien de faire ça, mais. C'est bien. Canon paré, capitaine! Leur puissance de feu est forte! Un tir bien ajusté, lui, prête à l'air abattre! Sur ton ordre, capitaine! Il est vulnérable à cette trompe! Ce mois-ci, j'ai une frégate manoir!
parfait. On bouffe quand même des choses. On a été touché. Donc ouais, on a bien amélioré le bateau. Plus de pièces de bordée, une meilleure coque. On va se les faire hein, tranquillement. Je suis capitaine, stock de poudre, bon ça va. Ça va, ça va se faire assez facilement, je l'espère. Un petit paquet plus en haut. J'ai tué qu'un mec. Genre là. Voilà, merci. Nul à chier. Attention. Bah c'est où le capitaine? Je vais tous vous découper dans le sens de la longueur. Comment tu t'en sors, mon petit? Bon ça va. Allez, vous attends. Hop. C'est une danse. Oh, on perd des hommes. Ah, tu meurs. Le père du Barbe Noire. Que le diable m'emporte. Où est le Jackdaw? Barbe Noire. Oh, pardon. Fuyez en haute manière. Ah oui, on se fait éclater. Pas sans combattre. Pas vidé ça. Du loot. Oula. Ah non. Non, on fonce dedans. On a plus beaucoup de vie. Je sais pas comment utiliser les boules explosives. Et voilà. On a perdu Barbe Noire. Donc là il nous faut un petit sbire à éclater pour se remettre d'aplomb. Où est-ce qu'on doit aller nous? Ah oui, là. Ah oui, c'est quoi ça? Des polars. Il nous faut un des polars. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah, il y a aussi. Zut. Un contrat là-dessus. Que j'ai pas fait.
que j'ai pas fait malheureusement. Pas un bateau boiteux là. Il arrive. Il arrive pour nous sauver. Fermez là. Merci. Combien de portée? 500 mètres, je crois. Bois, métal, 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 métal. Bon explosif. J'aurais bien aimé qu'il ait. Dégage. Ah aussi, enfin, éviter d'avoir trop de briques sur la gueule. Ok, puis il est mort. On a lui qui se ramène. Oh, il est déjà mort. Très bien ça. Hop, on aborde. Tout est bien pensé, pas de soucis. Tout est millimétré. Ah, ça c'est dommage. Ça aussi c'est dommage. Alors lui, lui il a mangé. Mais non mais je... Voilà s'il vous plaît. Faut mourir. Ah oui on a 4 pistolets maintenant. On a les 4. C'est bien vrai slow. Hop, on répare. Ensuite, il est où l'autre? Ah merde, on l'a cassé. On l'a cassé. Je vais faire en sorte de pas le toucher. Ça a été... Ah non, on a appelé l'autre. Bon, c'était pas volontaire. Gâche toi. Paré à faire feu. Prenez toute la toile. Par contre, ils m'ont rien laissé eux. Ça dégoûte. On se dedans. Paf. Paf. Plus que 3. Mais il y a pas de... Il y avait un petit chien sur le bateau ou quoi? On répare. Même si là, il va falloir que je commence à baisser mon indication de recherche. Je commence à avoir beaucoup de personnes dans le cul. Enfin, pas dans le cul, mais au cul. Et quoi dedans? Le bois, bon, c'est pas très intéressant, on va lui foncer dedans. Quoique. Vas-y, on va réduire l'indication. On se met bien. Toi.
On va jouer qu'à celui. Et hop là. Donnez-moi de la toile. On arrive à se faire cette chose qui permettra d'améliorer le navire. T'es pour lourd. Ah, on a des choses. La dévoilée nous a dit qu'on avait des choses. C'était cool. De la chair bien fraîche, si on parvient à les garder, les cacatois et les huniers. Détachez les harpons. Tenez-vous prêts. Attention. Doucement, les gars. Joli lancé, capitaine. Jetez. Ah, déjà. Je vois rien. Mais une fonce dessus, ils sont violents. Il vient sur nous! Droit devant! Hop, sauvez Ouli! C'est ça! Épuise-toi! Touché! Joli lancé, capitaine! Je détestais sauver Ouli quand j'étais jeune. Et c'est toujours d'actualité. Il approche! Oh, par favor! Allez, allez. Oh, c'est terminé. Bon, je détestais le film, mais c'était pas parce que c'est un film qui parlait de la cruauté faite aux animaux et autre chose. Non, non, ça c'est cool. C'est juste que c'est un film de merde, par contre. Une belle prise, capitaine. Voilà. Et là, on navigue jusqu'au point d'intérêt. Bois métal, non. C'est intéressant. Il commence à avoir de la gueule le bateau quand même. Ah, 98. J'avais réussi à monter jusqu'à 1000 de métal. J'étais content. C'est parti aussi vite. Voilà. La musique de pirate. Je vais pas me faire harceler là. J'imagine bien le mec qui a la dérive depuis, je sais pas, peut-être une semaine là, au milieu des Caraïbes, et il y a un bateau pirate qui le chope. Et il est obligé de travailler pour le pirate. Ah, c'est nouveau ça. J'étais pas en zone rouge pourtant. D'avoir une plantation. Au navire nous prend en chasse. Mais non, mais rien du tout. Rien du tout. Regarde. On s'en fout. Il s'en fout. C'est notre pote ça, le Ranger. Non, c'est pas Rackham le Ranger, c'est Oh, j'ai oublié comment il s'appelle. Elle est du métal. C'est Bonnette. Oh,
C'est Bonnet le ranger. Est-ce qu'on le voit? Non. Je vois pas de capitaine. Ah, c'est Vayne. Alors Satch s'est fait saigner. Fut chier. Ils étaient trop nombreux. J'ai rien pu faire. Pour connaître qu'il savait se battre, mais son cœur était partagé. C'est dur de renoncer à la vie qu'on a aimée. Ouais. Mon idiot de père passait sa vie à se vanter. Il allait s'acheter son propre navire. Je vais prendre un contrat de corsaire, Charlie. Ton vieux père deviendra capitaine. C'est noyé dans le whisky sans jamais quitter le rivage. Alors, Kenway. J'ai bien réfléchi à ta petite affaire, cet observatoire dont tu ne cesses de parler. T'es certain qu'il existe? Tu cherches un négrier baptisé le Princess. À bord se trouve un homme appelé Robert. Il nous y conduira. Tous ces négriers travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. Prends un de leurs navires, on en saura davantage. À la poursuite des Robert. Quel est le cap, capitaine? Donc c'est Vayne, le ranger. Un de ceux qui travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. T'as pas l'intention de te lancer dans le trafic d'humains, hein? Bon Dieu, Adé. Je croyais qu'il me connaissait mieux que ça. On cherche des informations, c'est tout. Je veux savoir où mouille le princesse. Oh, je connais cette danse. Le princesse. Le navire négrier. Ouais. Barbe Noire m'a dit qu'on avait de bonnes chances de trouver le sage à son bord. Mais y'a un mec qui va nous cramer, là. Vayne, qu'est-ce que tu fous? C'est une canonnière? Un schooner en plus. Voilà des ennuis! Avec ce gréement, c'est un schooner! Vayne vient okay. Le schooner marchand! Bon sang! Cet animal ne pouvait pas s'en tenir à ce qu'on avait dit! C'est un animal! Par contre, j'aurais bien aimé looter. Du rhum et du sucre. Bon, ça va. Ça va, je peux m'en passer. Cherchons le princesse. On se rapproche, capitaine. T'as un navire là? Non. Voit rien. C'est toujours soit une tempête, soit du brouillard. Sur tribord, capitaine. Ah ouais? Survivant du naufrage. Ah. Trop rapide ce bateau là. Chasseurs de pirates! T'en fous? C'est lui? Ouais, l'African Pearl. Ne coule pas ce négrier, Kenway. Il y a des centaines d'innocents à bord. Je sais. Est-ce que je peux faire ça au moins? Je vais nous rapprocher. Ça fait le droit. Comment ça a raté? C'est quoi ça? T'as un monstre marin comme dans Dredge? Ça devrait suffire. Maudit soit mes yeux. Intéressant. C'est bon. Ça lui a rien fait? C'est scripté? Ok, c'est scripté. Nous rapprocher.
Quel ranger est mort? Mais vire ton bateau! Voilà, il est mort. On est paré, capitaine. De quoi lui? Toute la toile, il peut le supporter. Vous voulez quoi? Hop, vite. Dans ta tête. Dans ton bide. Raté. Trouvez le capitaine. Oh, il est mort, je l'ai tué. Dommage. Arrêtez de chemer. Les pirates, s'il vous plaît. Hop, on s'agglotte. Et voilà, t'as tué mes mecs. Tous les membres de mon équipage, ça dégoûte. Après le capitaine, le princesse transite régulièrement par Kingston. Très bien. C'est là qu'on met le cap. Vous avez mis en pièces mes voiles et mon gréement, bande de gredins. Vous me devez une part. Dans les boules. Charles, tu n'es qu'un démon sans cœur. M'emmerde pas, Jack. Mais t'emmerder est ma vocation. Charles. Les gars. Vous voyez, les gars et moi, on a discuté pendant que vous perdiez votre temps. Et ils ont trouvé que je ferais un meilleur capitaine qu'une meute de chiens. Je te jure que tu finiras castré, sale traître. Celui-là, je devrais bien en tirer 10 livres à Kingston. Mais avec des ivrognes de votre calibre, je préfère prendre aucun risque. Tu regretteras cette journée, Rackham. Je les regrette déjà presque toutes. Ligotez-les! Qu'on les abandonne. Je vais t'étriper, Jack Rackham! Je vais t'ouvrir en deux, je vais te sortir tous les boyaux, et je vais en faire des cordes de lutte! Tu peux arrêter de brailler, Vain! Ça nous avance à rien! Oh bah tiens! Le redoutable Edward Kenway a parlé. Mais dis-nous un peu, capitaine, quelle issue tu vois à ce désagrément? Et surtout, par quel génie tu comptes conduire un bateau sans voile et sans gouvernail? Tu vas la fermer! Formidable. On s'est fait rouler. Par le capitaine Jack Rackham. Ne bouge plus. Donne-moi ta jolie petite récolte. Pauvre minable. Cette île manque pas de nourriture si tu prends la peine d'en chercher. Mais je cherche, larbin. Et je viens te trouver. Non. Essaie pas de me suivre. T'entends? Essaie pas de me retrouver. Tu es pitoyable. Péter un câble. Un boulard. Ah oui, c'est vrai que je peux m'améliorer. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Petit paquet de temps qu'on est bloqué ici. Les cheveux ont poussé. Les mentalités ont régressé. Bon, c'est très contemporain en fait. Alors.
Ah, j'ai pas le droit, ok. Retrouver Vayne. Mais pourquoi? Pour trouver mes barnacles? Je partirai pas sans mes coquillages. Ah, je m'en fous. Jamais je vous lirai. Est-ce que j'ai accès à la map? Oui. Alors où est-ce qu'on est exactement? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. On n'est pas très loin de Kingston. C'est pas trop mal. À la nage, c'est compromis. C'est un hurleur. Hurleur roux. Hein. Lui, il me le faut. Le hurleur roux, c'est pour une fabrication spéciale. Alors, est-ce que je peux? Les bourses à fléchettes. Pour ça, c'est requin blanc. Ouais, des requins blancs. Ça, capucin, 2, jaguar noir, requin blanc, 4 requins blancs! Je vais me faire du croco, et le hurleur roux! Faut trouver une casquette, une capuche. Qu'est-ce qu'il chante? Il est où le hurleur? J'ai pas de balle. Y'a des balles sur lui, Vayne? Il voit bien rauque. Salopard. Des petits salopards. Il s'enfuit? Non, il s'enfuit? Bon, il va revenir. On reviendra te chercher. Ok, viens. Mais non, mais viens. Voilà. Le chasseur chassé. Ok, donc on a un jaguar noir. Ça fait plaisir. On peut savoir d'où vient la folie meurtrière de Connor. Ça vient de son grand-père. Comment je monte là? Comme ça. Oh, il m'en faut d'autres des jaguars. Et le crocou? Va danser avec le pêcheur et ses poissons, Kenway. C'est-il est à moi? Si tu viens me chercher, je te tue, Sag! Mais fais pas le con! Qui nous ont échoué ici, Kenway! Que je sois damné si je te laisse encore prendre une décision à ma place! Tu ne veux pas discuter, Vayne? Tu vas t'accrocher à cette folie? Folie? Dans quoi un homme qui cherche à survivre est pas fou? Bah, il y a des manières de le faire, quoi. Pauvre idiot! Réglons ça entre le gentleman. Je te laisserai en paix quand t'arrêteras de me prendre ce que je trouve à manger et à boire. J'arrêterai que quand tu m'auras payé le prix du sang. C'est à cause de toi qu'on a chassé ces... C'est par ta faute que Rakam m'a pris mon navire.
Mais c'est pas de ma faute si Rackham c'est un... Voilà. Alors. Voilà. En plus c'est bien parce que à défaut d'être compliqué, si t'y arrives pas, et ben, ça te le fait pratiquement tout seul. Creusons. Une de plus pour ma collection. Pas des crocos là ? Pas de crocos. Ah, un coffre au-dessus. Comment ça au-dessus ? Ok. Dans la crevasse. Il a sauté ? Il est sérieux ce mal. Par contre, est-ce qu'il peut me passer juste une balle? C'est pour un singe. J'en ai besoin. Ah, des crocos! Il y a des crocos. Où est-ce qu'ils sont? J'en vois pas. Qui? Il a tiré sur quoi? Je t'avais dit de pas me suivre! Ren, tu perds la tête, mon vieux! C'est qu'une juste compensation. Moi, j'ai trouvé des mousquets et des grenades. Écoute-moi, Aven. On pourrait chasser avec ces armes. Excellente idée. Mais oui, mais on pourrait très bien chasser. Ok. Ok, là, il recharge. Faire quoi vite. Ok, c'est pas que je suis là. Est-ce qu'il y a moyen? Y a pas moyen. Bah, il se laisse faire. D'accord, hein. Bah j'arrive. Il n'y a qu'une balle. C'est trop chiant. Oh non, il pleut maintenant. C'est toi et tes stupides contes de fées qui nous ont mis dans ce pétrin, Kenway. Que je sois maudit si je te laisse me convaincre. Si tu continues, je vais devoir te tuer, Vane. Eh bien, essaie, Vermine, je t'attends. C'est trop chiant. Mais oh, quel enfoiré. Je vois venir un milieu. Ah ça, alors. Un concours en dessous. Attends. Oui. J'arrive en mignon. Adios, je vais bouffer le bras. Et voilà, deux jaguars. On a de quoi bouffer là normalement.
plus l'embrouille, ça. Petit coffre. La boîte sur une île déserte, hein. Quand on aime l'or. On aime l'or. Il y en a un autre ? Oui, viens. Viens, viens, viens. On l'avance. Plus qu'un. Il reste plus qu'un. On va voir un petit croco là. Il y a un croco là-bas. Ah, pas du tout. C'est pas que je suis là. Il retourne le croc. Non mais nique-le. Ah, je peux pas. D'accord. Je ne peux pas. Ça se fait qu'avec des balles. Faire un trou dans le sac à main. Un seul de nous quittera cette île vivant, Edward. Parce que je refuse de naviguer dans un monde pourri par ta sale drogue. Même si Koh-Lanta. J'ai pas une sale trône, il est plutôt beau gosse, Edward, il est fou. Ah ouais. Ah, il en a dans le bras. Tu vas finir en petit morceau. Du coup. Elle l'a cassé. Passe plus là. Tu peux pas m'échapper, Kenway. Giga un sup, hein. Casse tout. Je vais t'envoyer en enfer. À la base, on était potes. Aucune issue pour toi. Je vais t'arracher les jambes. Ah, moi je sais pas ce que je vais te faire. Mais je vais te le faire. Oh, y'a ça. Je vais te faire disparaître. Tu montes pas? Aucune issue pour toi. Est-ce qu'il est patient? Je synchronise. Il est pas sûr. Après, je te saute dessus. Je vais t'envoyer. Tiens. Mauviette, t'es incapable de faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Foutu pirate. Voilà ma récompense pour avoir cru à la bonté des hommes. Pour avoir pensé que le pire des racals pouvait se mettre à réfléchir au moins une fois dans sa vie. Peut-être. Cornigold avait raison. Peut-être que le monde a vraiment besoin d'hommes d'ambition pour empêcher les gens comme toi de nous conduire au chaos. Ou peut-être que t'as pas assez de cran pour vivre sans regret. Inutile de m'attendre aux portes de l'enfer, Charles. Je compte pas t'y rejoindre. La moule. La giga moule. Le 100%, c'était sûr que pas lui tomber sur la tronche. Par contre, deux secondes. Il y a un singe roux. Faut que je le fume. Et zut. Voilà un beau schooner, tout seul, comme ça. Quel démon, ce Vane.
Et vous avez pas eu peur de reprendre mon brick à ce parasite. Encore une fois, je vous remercie. Il n'a pas fallu plus de 2 mois à ce chien galeux pour revenir à Nassau, la queue entre les pattes. Mais il pleut de fou. Pardon, séance tenante. Est-ce que j'ai eu le choix? Ce Roger s'acharne sur moi depuis le début. Ravale ta langue, Rackham. Et maintenant? Toujours en quête de ta satanée fortune? Ouais, et je me rapproche. Le sage fait voile depuis Kingston sur son navire, le Princess. Si seulement ton ambition était mieux dirigée, Kenway. Trouve le sage avec nous. Je n'ai aucun penchant pour toi et ta mystique, Marie. Je veux goûter à la belle vie. La vie facile. Les gens honnêtes refusent la vie facile, Edward. C'est en rêvant à une telle existence qu'on se fait le plus mal. Allez, Rackham. Fais tes adieux à cet endroit. Et voilà. On a repris notre vaisseau à Rackham. Et on a chopé un beau petit rhume, là. À boire sous une pluie battante. Là, l'humidité collective, elle est présente. Ah, lui, il veut un bordel, mais est-ce que j'ai les fonds? Doit prendre soin de ses hommes, non? Du coup, fais en sorte que tous tes hommes aient la syphilis. Réconfortés à bord. Je sais où en trouver, mais leur place n'est pas sur un bateau. J'ai pas les thunes. T'as 15 000. Mais vous êtes des grands malades, hein. Il me faut un singe. Faut que je fume un singe. Alors, les fléchettes soporifiques. On en a 3, c'est vrai qu'on en a tué un de plus. Et c'était pourquoi déjà l'autre? Dague à cordes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on va retourner sur l'île. Et tuer des crocos et un jaguar noir en plus. Mais dans la prochaine vidéo YouTube. Salut.